Chers téléspectateurs, nous célébrons en ce mois d'avril le 100e anniversaire de l'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, événement ô combien majeur pour l'histoire de ce conflit, mais même de manière plus générale pour l'histoire du monde, puisque on peut voir là la première étape de l'émergence de la puissance impériale américaine au cours du siècle dernier. Alors cette entrée en guerre américaine, vivement célébrée évidemment en France, hein, mise en scène même, on se souvient la formule célèbre que le général Pershing lança sur la tombe de Lafayette, hein, au cimetière de Picpus, hein, Lafayette, nous voilà, formule soufflée par un officier, le colonel Stanton. On se souvient l'accueil qui fut fait au président Wilson quand il se rendit à Paris pour la conférence de la paix à la fin de 1918 et au début de 1919. Il est intéressant cependant de revenir sur l'événement pour se pencher sur ses origines, expliquer l'évolution qui a conduit le président Wilson à la guerre, au choix de la guerre, et pour mesurer également, pour évaluer quel fut le poids de cette intervention américaine. Alors tout d'abord, il convient de rappeler que les États-Unis de 1914 ont fait bien sûr le choix de la neutralité. Le choix de la neutralité qui s'explique pour plusieurs raisons, qui s'explique aisément. Il faut rappeler que la jeune nation américaine s'est constituée tout récemment au cours du 19e siècle à partir d'apports d'immigrants européens fort divers et que l'unité nationale des États-Unis, certes fondée sur un certain nombre de grands principes de liberté, de progrès, etc., est encore relativement fragile. Il y a des communautés à l'intérieur de cet ensemble nord-américain qui, tout naturellement, vis-à-vis de la guerre qui s'est déclenchée en Europe, vont avoir des attitudes différentes. Hein. On peut prendre quelques exemples. Il y a une très forte communauté germano-américaine aux États-Unis, hein, notamment dans le Middle West, hein, qui est arrivée surtout à partir du milieu du 19e siècle et qui pèse d'un poids certain dans le jeu politique américain. Il y a une presse également germano-américaine qui, bien entendu, va se retrouver plutôt du côté des empires centraux que du côté de l'entente. À l'inverse, bien sûr, les Américains d'origine anglaise, les Américains qui se souviennent du rôle joué par la France lors de la guerre d'indépendance en 1776-1783, vont plutôt pencher vers l'entente. Il y a un certain nombre de minorités aussi dont l'opinion, dont la sensibilité vont peser lourd. Les Irlandais, qui sont nombreux, évidemment sont très hostiles à l'Angleterre du fait des relations conflictuelles très difficiles entre les deux peuples à une époque où l'Irlande est toujours sous la domination anglaise. Les Polonais, évidemment, sont très hostiles à l'Empire des Tsars, à l'Empire russe, qui est allié l'entente. Il en va de même pour les nombreux immigrants juifs qui sont venus d'Europe centrale et qui se souviennent que l'Empire russe, à l'époque, a vu se produire de nombreux pogroms. Donc, on a une mosaïque ethnique et nationale dans ces diverses composantes de la nation américaine qui fait que le président peut difficilement prendre parti pour l'un ou l'autre camp en 1914. Le président, justement, parlons-en, Thomas Woodrow Wilson, il a été élu en 1912, hein, dans le cadre d'une élection triangulaire, puisqu'il y avait deux candidats républicains contre lui, ce qui veut dire qu'il a été élu avec une base électorale relativement réduite, hein, 42% des voix se sont portées sur lui, ce qui ne lui donne pas, évidemment, une base politique extrêmement solide, une légitimité
incontestable dans la perspective d'une éventuelle entrée en guerre. Hein. De plus, Thomas Woodrow Wilson, c'est un fils de pasteur, c'est un juriste, il a été professeur de droit à l'université de Princeton, donc qu'il a même présidé. Il est très attaché aux valeurs américaines de liberté, de progrès, de liberté du commerce, de liberté des mers, très attaché à l'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et cet homme de principe, évidemment, considère au début que cette guerre européenne ne permet pas de dégager un camp du bien face à un camp du mal. Hein. Ce qu'il retient surtout, c'est que les Européens sont décidément incorrigibles. Il est dans l'état d'esprit de beaucoup d'Américains qui ont quitté la vieille Europe, qui leur a laissé généralement de mauvais souvenirs. Hein. Ils ont fui la misère, ils ont fui des régimes autoritaires. Les Américains ont l'habitude de considérer que les États européens, du fait de leur rivalité nationale, du fait des guerres qui les opposent, appartiennent à une époque qui, pour eux, doit être révolue. Hein, l'époque des guerres, notamment, qui ne font que témoigner de la persistance d'une barbarie indiscutable dans cette vieille Europe. Donc c'est dans ce cadre-là que, tout naturellement, en 1914, l'Amérique va proclamer, bien sûr, sa neutralité dans le conflit qui vient de s'allumer sur le vieux continent. Wilson va quand même tenter, au cours des années qui vont suivre, de proposer sa médiation à plusieurs reprises. Il va envoyer en Europe son principal conseiller, le colonel House, pour essayer de trouver d'éventuels compromis, d'éventuels terrains d'entente entre les belligérants. Hein. Les différents gouvernements vont être consultés, mais tout cela ne débouchera sur rien, car un certain nombre de points sont considérés comme incontournables par les différents acteurs, et cela, dans les premières années de la guerre, empêche toute tendance vers un éventuel compromis. Alors comment les choses vont se passer pour que l'Amérique neutre en 1914, se retrouve plongé dans le conflit en avril 1917. Alors l'Amérique est neutre, nous l'avons dit, il faut cependant nuancer quelque peu cette affirmation. De fait, l'Amérique entretient davantage de liens avec les pays de l'Entente qu'avec les empires centraux. Ceux-ci, en effet, subissent les effets du blocus naval imposé par la Royal Navy, par la Grande-Bretagne, et donc les relations commerciales entre l'Allemagne notamment et les États-Unis ont été réduites à peu près à néant à partir de 1914, alors qu'en revanche, les pays de l'Entente, eux, vont continuer à acheter du matériel, à acheter des matières premières, des produits industriels aux États-Unis, et surtout les pays de l'Entente qui vont se trouver rapidement confrontés à des difficultés financières du fait du coût astronomique de la guerre, une guerre qui se prolonge bien au-delà de ce qui avait été prévu, les pays de l'Entente vont se tourner vers les banques américaines, hein, les grandes banques de New York, notamment la banque Morgan, qui s'est un peu spécialisée dans ce domaine, pour emprunter les fonds dont ils ont besoin pour soutenir l'effort de guerre. Ce qui, évidemment, fait que les Américains ou les États-Unis risquent de fait de se retrouver indirectement impliqués dans la guerre, puisqu'on imagine, bien sûr, au cas où les forces de l'Entente viendraient affaiblir ou viendraient au point d'être vaincues, eh bien les banques américaines en question, on les imagine très bien, faisant pression sur le pouvoir fédéral pour intervenir en faveur de débiteurs qui risquent de se retrouver mal en point. Sur ce point précis qui a souvent été évoqué après la guerre, il y aura une commission d'enquête aux États-Unis dans les années 1930, la commission Nye, qui va conclure que de fait
ce scénario-là n'a pas joué, que les banques américaines n'ont pas exercé de pression sur le pouvoir fédéral en faveur de la guerre. Mais on pouvait à l'époque se poser évidemment la question. Alors comment finalement la puissance américaine va-t-elle se retrouver impliquée dans ce conflit ? Eh bien, on le sait, c'est la guerre sous-marine totale, la guerre sous-marine à outrance, décidée par les Allemands, qui va jouer le rôle déterminant dans cette affaire. Hein. Les Allemands, à l'issue de 1916, ont échoué dans leur offensive à Verdun, ont échoué sur le plan naval lors de la bataille du Jutland de mai 1916. Ils ont subi la pression de l'entente sur le front de la Somme. Il devient urgent pour l'Allemagne et pour ses alliés de trouver une formule qui leur permettrait d'en finir avec cette guerre interminable et d'aboutir à une paix de compromis qui, évidemment, espère-t-il, pourrait se négocier en faveur des empires centraux. Pour cela, les Allemands ont sous le coude depuis longtemps l'hypothèse de la guerre sous-marine. Guerre sous-marine totale qui conduirait à isoler complètement l'Angleterre. Hein, les Allemands sont convaincus que c'est l'Angleterre qui est la force principale de l'entente, la France ne fournissant que la chair à canon. L'épée de l'Angleterre sur le continent, c'est la formule du général von Falkenhayn. À ce propos, eh bien, à la fin de 1916, hein, lors d'une conférence réunie à Cambrai, les nouveaux patrons de l'armée allemande, après l'échec de Verdun, Hindenburg et Ludendorff, vont faire le choix finalement de recourir à cette guerre sous-marine totale qui doit permettre de mettre l'Angleterre à genoux en l'espace de 6 mois, ce qui permettrait justement de négocier une paix de compromis acceptable pour l'Allemagne. Alors voilà la situation donc à la fin de 1916, quand la décision est prise de recourir à cette guerre sous-marine. Les Allemands sont persuadés qu'en 6 mois, l'affaire sera pliée. Ils pensent expédier 600 000 tonneaux navires marchands, de navires de commerce britanniques par le fond. Ils pensent ainsi que l'Angleterre, au risque d'être complètement étouffée. En effet, à l'époque, elle ne peut nourrir que 20% de sa population avec sa seule production agricole. Elle a besoin de matières premières venues d'outre-mer, ne serait-ce que le coton des Indes pour ses manufactures textiles. Eh bien, l'Angleterre sera forcément obligée de mettre un genou à terre et d'accepter de discuter. Les Allemands ont prévu qu'il y avait un risque que les États-Unis, refusant cette guerre sous-marine, interviennent dans le conflit. Hein. La question était posée déjà depuis un certain temps. En 1915, le président Wilson était monté au créneau pour exiger de l'Allemagne qu'elle cesse ou qu'elle limite sa guerre sous-marine, notamment après le fameux torpillage du Lusitania du printemps 1915. Les Allemands avaient en partie accepté les exigences américaines, donc il y avait un risque d'une intervention des États-Unis en Europe, mais les stratèges allemands avaient minimisé ce risque parce que, effectivement, ils considéraient que l'Amérique n'avait pas les moyens de faire la guerre avant au moins 18 mois en Europe. Il n'y avait aux États-Unis qu'une armée de métier de 70 000 hommes, qui n'était pas équipé, qui n'était pas encadré selon les normes de la guerre industrielle telle qu'elle se développait sur le continent européen. Le temps fixé à cette intervention, le délai jugé nécessaire pour qu'elle soit effective, faisait que tout naturellement, eh bien, les stratèges allemands voyaient avec optimisme l'engagement de cette guerre sous-marine qui devait amener l'Angleterre à plier. Alors, les choses ont été décidées dès la fin de 1916.
française. C'est le 31 janvier 1917 que les autorités allemandes signalent aux pays neutres l'engagement le lendemain, à partir du 1er février, de la guerre sous-marine. Wilson, très attaché au principe de la liberté des mers, est furieux, va déclencher la rupture des relations diplomatiques avec l'approbation du Congrès, rupture des relations diplomatiques donc avec l'Allemagne, mais il précise qu'il attend un acte d'injustice voulue, c'est-à-dire le torpillage d'un navire américain, pour aller plus loin et s'engager véritablement dans la guerre. Dans un premier temps, on espère encore que les choses en resteront là, car plusieurs navires américains traversent l'Atlantique sans encombre. On peut penser que les Allemands, craignant cette intervention américaine, ne vont pas aller jusqu'à franchir le pas fatal qui mènerait à la guerre. Mais à partir du mois de mars, en revanche, eh bien, un certain nombre de navires américains vont être coulés. Mais ce n'est peut-être pas là le plus important dans l'évolution de l'opinion américaine et dans la prise de décision de Wilson. Il y a en effet la fameuse affaire du télégramme Zimmermann. Hein, le ministre allemand des Affaires étrangères, Zimmermann, a adressé un télégramme, un message crypté à l'ambassadeur allemand à Mexico, un message qui est passé par un câble transatlantique, qui est passé par l'ambassade allemande de Washington. Et dans ce message, il demande à l'ambassadeur de contacter les autorités mexicaines pour voir dans quelle mesure elles seraient disposées à entrer en guerre contre les États-Unis, sachant bien sûr que le Mexique a des vieux comptes à régler avec les États-Unis, hein, puisque ceux-ci, lors de la guerre de 1846-48, lui ont pris tout le territoire qui va du Texas à la Californie, rien que cela, puisque les États-Unis interviennent régulièrement au Mexique pour aller y faire la police dans le contexte de l'instabilité politique que connaît ce pays. Et plus grave encore, dans ce message, Zimmermann suggérait l'idée d'un contact aussi avec les Japonais pour entraîner les Japonais à un renversement d'alliance. Ceux-ci s'étaient joints à l'entente en 1914 du fait de leur vieille relation avec l'Angleterre. Or, les Japonais étaient opposés aux États-Unis dans le Pacifique Nord. Il y avait une compétition entre les deux pays. Les Américains étaient très soucieux aussi de maintenir la porte ouverte, selon l'expression consacrée en Chine, soucieux que celle-ci ne tombe pas sous la coupe japonaise. Donc, il était question d'aller contacter aussi les Japonais pour les entraîner dans une guerre contre les États-Unis. Alors évidemment, les Anglais, quand ils interceptent ce message, quand ils le décryptent, vont s'empresser de le transmettre aux autorités américaines et à la presse américaine. Et bien entendu, quand tout cela est révélé publiquement, l'opinion américaine évidemment se déchaîne contre l'Allemagne. Comme tout ça, dans le même temps, va de pair avec un certain nombre de torpilles de navires américains, eh bien, on ne va plus reculer. Et le 6 avril 1917, Wilson va obtenir du Congrès la déclaration de guerre à l'Allemagne et le vote des crédits de guerre correspondant. L'Amérique est dans la guerre, donc, à partir du 6 avril 1917. C'est une intervention qui va peser évidemment très lourd du fait de la puissance industrielle du pays, de sa puissance financière, notamment pour ce qui concerne le soutien financier de l'entente. Il faudra attendre en revanche 18 mois pour qu'elle devienne effective sur le plan militaire, car tout est à faire, tout est à créer, et le défi est effectivement très lourd à relever. Mais en 1918, l'intervention américaine sera quand même décisive pour pousser l'Allemagne à réclamer l'armistice. Je vais vous parler d'un grand médecin, Charcot, le père de l'explorateur, Jean-Baptiste Charcot. On peut dire que le mot mandarin a été inventé pour lui. Il est le mandarin type. Et pourtant, il naît en 1825
1 rue Faubourg-Poissonnière. Son père est sellier, donc il n'est pas du tout dans ce milieu-là. Il a 3 frères, dont 2 d'ailleurs seront des militaires, des spahis. Un sera tué. Et ben, lui, il fait des études brillantes, au moins jusqu'au bac. Il réussit l'externat de médecine. Il se plante à l'internat. Ça va se calmer. Il ne va pas être si bon que ça après pour les études de médecine, mais il a une espèce de génie pour se faire des bonnes relations avec les gens qui comptent. Et grâce à ça, il va faire une carrière exceptionnelle. Et puis quand même, oui, il a découvert plein de choses. Donc, à l'époque, par exemple, l'hystérie, c'était considéré avec un mépris absolu. C'était dans les hôpitaux de femmes, à la Salpêtrière. Et il n'y a qu'un médecin qui s'en était un peu occupé. Alors, il n'est peut-être pas très connu, il s'appelle Pierre Raillet. Si vous êtes à table, arrêtez de manger, parce qu'il avait été le spécialiste de la morve cutanée, qui était une sale maladie qu'on attrapait avec les chevaux. Et l'autre truc qui n'était pas terrible non plus, c'était la suette militaire, qui était un avatar de la suette anglaise qui avait mine de rien décimé l'Angleterre. Bon, et Pierre Raillet va être son maître, en particulier pour l'hystérie. Et puis il y a un autre de ses collègues qui est Guillaume Duchesne, qui lui sera un grand neurologue aussi, hein, la myopathie de Duchesne, hélas. Et Duchesne, c'est lui qui va inventer les biopsies. Il va inventer la petite machine qui permet d'aller rechercher un petit bout à l'intérieur du corps. Alors, Charcot, il va être un incroyable neurologue. Mais avant ça, il se fait ses armes, par exemple, sur les rhumatismes, sur les maladies, sur la cirrhose. Il montre que les rhumatismes, par exemple, il y a différentes sortes de rhumatismes, etc. Et puis, il se spécialise en neurologie et il va être le découvreur, puisque la maladie porte son nom, de la sclérose latérale amyotrophique, qui est une saleté de maladie, hélas. Et il montre les différences avec Parkinson. C'est lui qui propose d'ailleurs d'appeler la maladie de Parkinson de ce nom, du nom d'un Anglais qui, en 1817, avait décrit la maladie. Avant, ça s'appelait la paralysie agitante. Alors, Charcot, il va surtout être moderne dans le sens où il va installer à la Salpêtrière, et puis dans tous les hôpitaux où il va passer, un labo avec des photos, et il va énormément photographier les malades. Et puis, il va faire toutes sortes d'expériences, avec en particulier l'électricité. Alors, beaucoup pour la neurologie, beaucoup aussi pour l'hystérie. Est-ce que c'est vraiment de la neurologie? On ne sait pas trop. Il va y avoir 2 grandes écoles. Est-ce que, en gros, c'est tout dans la tête? Ça, c'est Freud, qui sera un de ses élèves, d'ailleurs. Freud va venir, il va même traduire les écrits de Charcot. Ou au contraire, ça a une base totalement physique et ça atteint aussi les hommes. Alors, on dit, oui, les hommes, mais les homosexuels uniquement. Et Charcot va montrer que non. Ça peut être des troubles nerveux qui touchent tout le monde. Alors, il va, parallèlement à ça, mener une carrière de médecin mondain, très réussi, puisqu'il va même être le médecin de Napoléon III. Et il va, à la fin de sa vie, il aura quand même près de 3 millions de francs or. Il a bien réussi au point de vue des affaires. Et puis, il va avoir des adresses de plus en plus prestigieuses, Chaussée d'Antin, rue du Coq, et puis l'hôtel de Varengeville, l'hôtel de Chimay. Et lui qui était en fait tellement sûr de lui quand il donne ses cours, il était très timide avec les femmes, il va finir par se marier. Alors il est vieux déjà, mais il épouse une jeune veuve, très riche, on ne dit pas si elle était jolie, mais très riche, qui a déjà une petite fille qu'il va élever dans la foulée, qui va épouser Waldeck-Rousseau, d'ailleurs. Ils vont avoir 2 enfants, donc évidemment Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, lui, il n'a qu'une idée, il veut être marin. Et son père lui dit, non mon fils, tu seras médecin. Du coup, il va être médecin aussi, mais il sera marin et explorateur polaire, comme tout le monde sait. Et puis une fille, Jeanne, qui est amoureuse de Léon Daudet. Et Léon Daudet, c'est le copain d'enfance de Jean-Baptiste Charcot, de son fils. Et tout ça, ça va vivre ensemble. Et surtout, Charcot, il va, grâce à sa femme aussi, avoir une vie mondaine absolument extraordinaire,
où tout le monde va se retrouver, par exemple les jeudis de Madame Charcot, tout le monde se presse. Alors il y a le grand-duc Nicolas, il y a bien sûr les Daudet, Alphonse et puis Léon après, il y a Bainville, Barbet d'Aurevilly, Montpassant, Mallarmé, Anatole France, Jules Renard, Jules Clarty, le peintre Jérôme, Falguière, Charles Garnier, Dalou, les préfets, Poubelle, Lépine, etc., plus ses élèves étrangers, parce qu'il est, il est devenu une star. On se presse à ses conférences qui sont ouvertes au public, parce que c'est un peu le cirque quand même, il faut bien le dire. C'est un peu le cirque, il prend une femme qui est soi-disant hystérique, alors soit il lui met un courant électrique et elle se courbe en deux et ça amuse beaucoup les foules, soit il fait de l'hypnose, il s'intéresse beaucoup à l'hypnose, et il arrive à lui faire prendre des poses absolument invraisemblables. La foule adore ça. Alors, bon, ça va lui faire quelques ennuis. Les Goncourt disent que c'est un type épouvantable, mais enfin, les Goncourt, c'est quand même des langues de vipère, hein, on les connaît. Ils n'aiment pas grand monde. Ils disent que c'est un type absolument imbu de lui-même, odieux, qui n'a aucune tendresse pour ses malades. Par contre, Léon Daudet, qu'il connaît bien, bien sûr, va dire c'est un homme extraordinaire, il a une supériorité intellectuelle, il a une haine féroce contre ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Bon, mais personne n'est parfait, hein, voilà. Il dit c'est un homme remarquable et surtout il aime les animaux. Alors il aimait moyennement ses patients, mais les animaux, alors ça, il était très tendre avec ses animaux, y compris une petite guenon offerte par Napoléon III. Il n'était pas tout mauvais, hein, Charcot, quand même. Alors, on peut lui reprocher sa théâtralité, cette espèce de cirque qu'il fait à chacune de ses conférences. Et puis je vous dis, c'est ouvert au public. Hein, donc, mais il devient célèbre dans le monde entier. Le Lancet reprend pieusement ses articles. Freud a beaucoup d'admiration pour lui. C'est quelqu'un qui compte, c'est vraiment le mandarin. Et il va s'intéresser à l'art, ce qui est inattendu, avec un autre médecin qui lui aussi s'intéresse à l'art, et il va écrire un livre sur la possession dans l'art. Et il va commencer à réfléchir, à se dire, mais finalement, les sorcières, voire même les extases mystiques, genre Sainte Thérèse d'Avila, bah finalement, c'était une maladie neurologique, c'est tout. Alors évidemment, l'Église n'est pas très d'accord avec ça. Il écrit les démoniaques dans l'art et il explique que bah, elles n'étaient pas si démoniaques que ça, que simplement, elles avaient un trouble neurologique. Évidemment, ça fait désordre. Alors, c'est du positivisme, il est toujours très très sûr de lui, il n'admet pas la contradiction. Il prend comme exemple aussi Madame Bovary qui est sortie, et puis la sorcière de Michelet qui est un peu moins connue, et il explique que toutes ces bonnes femmes qui ont des comportements bizarres, tout ça, ça vient du cerveau et du système nerveux. Alors, au point de vue médecin, c'est d'abord primum non nocere, c'est-à-dire que il ne fait pas de découvertes fabuleuses. Il les traite avec de la belladone, il les envoie à la malou, les bains, ça ne peut pas faire de mal. Des tisanes, une vie saine, voilà. Mais c'est quand même lui qui a décrit la sclérose latérale amyotrophique qui porte son nom. Aux États-Unis, ça s'appelle la maladie de Lou Gehrig, du nom d'un joueur de baseball qui en est mort en 1941. Et il a laissé son nom aussi à des tas d'autres maladies moins connues, liées au rhumatisme, liées à la dermatologie, liées au foie, etc. C'est un grand nom, Jean-Martin Charcot, et il meurt d'une crise cardiaque en faisant une randonnée dans le Morvan. Il n'a que 67 ans. Il a des obsèques nationales méritées. Allez, on va dire méritées. Allez, bravo Charcot. Mais le fils était intéressant aussi. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Yann Le Boëc, spécialiste de l'histoire romaine, qui n'en est pas à sa première émission sur notre antenne. Yann Le Boëc a commencé sa carrière, si l'on peut dire, avec une thèse consacrée à la Tertia Augusta, la troisième légion auguste d'Afrique. Et à partir de ce travail fondateur, eh bien, il a ensuite
ensuite, tout au long de sa carrière, approfondi les questions d'histoire militaire romaine. Il a également réalisé, avec son collègue Jean-Louis Voisin, une histoire générale de Rome, parue aux presses universitaires, qui reste une référence. Il a consacré de nombreux ouvrages à l'armée romaine et à son évolution, également une biographie qui a fait date consacrée à César. Et aujourd'hui, il nous propose aux éditions Talendier une histoire des guerres romaines qui est une vaste et brillante synthèse sur l'évolution de la guerre à Rome depuis les origines de la cité et jusqu'au début du 5e siècle, au moment où les hordes barbares d'envahisseurs franchissent le limès rhénan et danubien. Alors, Yann Le Bouëc, pourquoi cette synthèse d'ensemble après les nombreux ouvrages que vous avez déjà consacrés à l'armée romaine? Quelle était votre intention en réalisant cet ouvrage ? D'abord, j'ai réfléchi sur ce qu'était la notion de guerre dans l'Antiquité, à la lumière de nombreux travaux qui ont été faits au 19e, au 20e et au début du 21e siècle. Vous savez que cela intéresse de plus en plus le public, en dehors des cercles spécialisés. Oui. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'analyse que faisait de la guerre un Suisse qui s'appelait Jomini, et un Allemand qui est très connu, beaucoup plus, qui est Clausewitz, à qui on a prêté d'ailleurs des sentiments, des idées qu'il n'a jamais eues, à partir d'une phrase qui est tirée de son contexte et qui n'a pas été comprise du tout. Pour ces deux personnages, et justement, je suis tout à fait d'accord avec leur analyse, la guerre n'est qu'un élément de la politique. C'est sans doute, c'est évidemment le pire, hein, puisque ça provoque des dégâts, des désastres, des souffrances abominables, mais ça ne fait, la guerre fait partie de la politique. Alors, donc c'est de cette idée que je suis parti, si je puis ainsi m'exprimer, je suis parti de cette idée que la guerre devait être vue comme un élément, un moyen d'action de l'empereur, du Sénat, les différentes institutions suivant les différents pays qui existent à l'heure actuelle. Et puis j'avais constaté qu'il n'y a aucune histoire générale de ces guerres romaines, ni en français, ni en allemand, ni en anglais, ni en italien. Je me suis adressé à quelques-uns de mes collègues en leur demandant s'ils connaissaient une histoire des guerres depuis les origines jusqu'en 410. Alors je tiens bien à dire, à préciser ce que vous disiez à l'instant, que 410, c'est pour moi la fin de l'histoire romaine. Mmh. Quand la frontière est percée en 406 par des gens qu'on ne peut pas ramener chez eux, et quand la capitale est prise 410 par des barbares, et encore ils l'ont prise deux fois, l'État n'existe plus, l'armée n'existe plus, et de fait on ne voit plus d'armée romaine par la suite. Alors ce n'est pas parce que des gens s'appellent romains que… Oui, ils étaient vous vraiment des Romains. Pas la déposition de Romulus Augustule en 476. Romulus Augustule n'était déjà plus empereur de Rome, il était déjà un personnage sans importance qui vivait dans ce qui fut la capitale de l'Empire. Donc j'ai voulu faire cette histoire générale, un petit peu poussée d'ailleurs par le PDG des éditions Talendier, M. Xavier de Bartilla, qui me l'avait suggéré, il tenait beaucoup. Et avec aussi l'idée que les questions militaires n'ont jamais intéressé les historiens, surtout en France. Vous prenez n'importe quel manuel, vous allez voir qu'il y a des batailles qui sont complètement passées sous silence, qui ont été oubliées, même des guerres oubliées. Par exemple, entre 101 et 93 avant Jésus-Christ, il y a trois généraux romains qui ont reçu les honneurs du triomphe pour avoir massacré des Espagnols, ou des Espagnols, ou des Portugais, des Ibères, des habitants de la péninsule ibérique. Eh bien, cette guerre ne se trouve dans à peu près aucun manuel, dans aucun d'ailleurs, à ma connaissance, je l'ai cherché en vain. Ou bien vous avez des confusions, il y a à tel endroit deux batailles, trois batailles au même endroit, et les historiens vous disent qu'il y a une seule, n'en connaissent qu'une seule. Donc il y avait beaucoup de choses à reprendre. Et puis j'ai voulu, en faisant ce livre, faire tout de même
un écrit qui soit facilement accessible pour des gens qui ne sont pas des spécialistes. Voilà. Je n'ai pas mis de notes de bas de page, tout en laissant pour les spécialistes des bibliographies à la fin et des listes des sources disponibles. Voilà. C'est un ouvrage qui est destiné au grand public cultivé. Absolument. Non. Et alors, ces guerres romaines, vous les abordez à la fois dans la durée, en suivant évidemment la chronologie des événements, et également à travers les espaces successifs qui ont été les théâtres de ces conflits. On voit bien que dans un premier temps, la guerre romaine, c'est avant tout la péninsule italienne. Oh, c'est même le d'abord. Même le Latium, quand, oui. quand la ville de Rome a été créée, entre 750 et 700 avant Jésus-Christ environ, d'après l'archéologie, 753, le 21 avril, d'après la tradition analytique, pardon, au début, c'était des bergers, des pasteurs qui avaient des voisins contre lesquels ils se battaient en permanence. Il fallait préserver les troupeaux, voler des troupeaux aux voisins d'ailleurs, hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Les Romains étaient comme les autres, s'ils pouvaient prendre des vaches, ils les prenaient. Et donc il y a eu des guerres très violentes pour l'existence même de Rome, parce qu'à la fin, les voisins en ont eu assez de ces gens qui étaient des pillards et qui, par-dessus le marché, étaient arrogants, se moquaient d'eux, les méprisaient. Ils ont failli disparaître à plusieurs reprises. Donc il y a eu cette période, comme disent les Anglais, « struggle for life », de lutte pour la vie, qui s'est terminée heureusement pour les Romains, puisque contre une coalition générale, ils ont réussi à s'imposer et à étendre leur cité à tout le Latium. Et puis après, à toute l'Italie, et puis après, eh bien, ils ont constitué l'Empire que l'on connaît. – Mais alors, à l'époque de ces guerres contre les Albains, contre les Sabins, nous n'avons pas encore une véritable organisation militaire telle que nous allons la connaître avec la Légion. Cette organisation militaire rigoureuse, elle apparaît à quelle époque ?– Bien, malheureusement, nous n'avons pas de date précise, il n'y a pas eu de décret, elle est née petit à petit, mais elle est née certainement, l'armée romaine est née certainement très tôt, la Légion est née certainement très tôt, c'est un mot qui est lié au dilectus, le recrutement, au verbe légere, legio, légere, choix, la Légion, ce sont les hommes qui sont choisis pour leurs compétences. Mais un choix qui est fait de manière très sélective. La cité romaine a cette particularité dans l'Antiquité, qui est quelque chose d'incompréhensible pour beaucoup de gens, que c'est une cité qui n'a jamais connu la démocratie. Elle a connu un régime aristocratique, la République, pendant très longtemps. Puis quand la République s'est effondrée, elle a été remplacée par une monarchie, mais une monarchie tout de même très liée à l'aristocratie. Dominique Vénère y tenait beaucoup d'ailleurs, et nous en avions parlé. C'est toujours resté un régime aristocratique. Et cette société aristocratique, et censitaire en même temps, hein, il ne faut pas se faire d'illusions, a créé, généré d'elle-même la première légion. C'est-à-dire que chaque homme devait acheter son équipement, son arme complet. Ceux qui étaient les plus riches s'achetaient un casque, cuirasse, bouclier, épée, javelot, et puis aussi un cheval. Donc parmi ces gens qui avaient un cheval, les cavaliers, il y avait une élite qui était qui est devenue automatiquement le cercle des officiers, le groupe des officiers. Et les cavaliers les moins riches ont été les cavaliers qu'on mettait aux ailes pendant les batailles. Et en outre, c'est pas tout. Ceux qui n'avaient pas les moyens de s'acheter un cheval combattaient à pied, étaient des fantassins. Les plus riches devenaient des fantassins lourds parce qu'ils pouvaient se payer l'équipement complet que je viens d'énumérer. Les moins riches avaient un équipement plus léger, de plus en plus léger, jusqu'à l'arrière où il y avait des gens qui venaient
si je puis ainsi m'exprimer, les mains dans les poches, mais la toge n'a pas de poche, hein, comme vous le savez, qui arrivaient sans rien. Ils attendaient qu'il y ait des morts sur le champ de bataille pour prendre leur équipement et participer à la bataille. Et donc, si vous voulez, c'est cette diversité de fortune qui fait que l'armée a tout de suite été rangée sur plusieurs lignes. Les mieux équipés devant, l'infanterie lourde, une infanterie moyennement lourde au milieu et puis une infanterie plus légère à l'arrière. Et alors c'est cette armée romaine donc, qui se constitue au fil du temps, elle va affronter des adversaires redoutables. On pense aux Samnites par exemple, on pense à Pyrrhus plus tard. Quelles ont été pendant cette période les évolutions les plus marquantes ? Alors que les luttes contre les Samnites ont amené les Romains à faire conduire une bataille en montagne, ce qui était quelque chose qu'ils n'avaient jamais affronté jusqu'alors et qui est évidemment, tout le monde le devine, très différent de la bataille en plaine. Les Romains ont essayé d'appliquer en montagne leur tactique de la plaine et évidemment ils n'y ont pas réussi. Et donc ils ont compris qu'il fallait diviser leurs légions. Ça a sans doute donné naissance aux manipules. Plus tard à la cohorte qui est née dans des circonstances un petit peu analogues. – Ça, on a créé des unités plus réduites que la Légion pour s'adapter donc… à des terrains qui sont des espaces plus limités en superficie. – Aux conditions tactiques et différentes. – Et puis, vous parliez à l'instant de Pyrrhus, il y a là un grand problème que beaucoup d'historiens posent et sur lequel ils s'excitent beaucoup, qui est celui de savoir… laquelle unité de la phalange macédonienne, créée par Philippe V et Alexandre, ou de la Légion, était la meilleure. Alors donc, les historiens imaginent qu'une Légion rencontre une phalange dans un terrain plat, sans vent, avec le soleil de côté, des soldats également reposés, puis ils se jettent les uns sur les autres. Qui est-ce qui remporte la victoire ? Alors, il y en a qui vous disent la Légion, d'autres la phalange. En fait, c'est un problème absurde, c'est un faux problème. Parce que, d'abord, tout dépend du général qui commande la phalange et de celui qui commande la Légion. Une phalange n'avance pas toute seule, elle a besoin d'un général, la Légion également. Ensuite, ces unités ne peuvent pas combattre toutes seules. Il leur faut des auxiliaires, des fantassins légers, des cavaliers, et donc ça dépend de beaucoup, le résultat de la bataille dépend de beaucoup de facteurs, et cette idée qu'on puisse faire un combat à égalité est absurde. Et de toute façon, pardon, l'histoire a répondu à la question, oui, c'est la Légion notamment qui l'a emporté. Au début du IIe siècle, on voit effectivement les Romains conquérir la Grèce. Et ensuite vaincre la Syrie, et voilà, enfin vaincre l'Égypte. Voilà. Donc les Macédoniens, malgré leur phalange, ont été écrasés. Les différents souverains hellénistiques sont finalement vaincus. Et alors, entre-temps, il y a eu un autre adversaire. Et ça, c'est évidemment un moment important de l'histoire romaine. Et vous y avez consacré un livre, d'ailleurs, il y a quelques années. C'est l'époque des guerres puniques. C'est la confrontation avec Carthage, avec Hamilcar d'abord, et puis Hannibal ensuite. Et là, il y a un moment difficile pour les Romains. Avec Hannibal, il y a eu un moment qui était très difficile. Vous savez que quand c'est Hannibal d'abord qui est parti d'Espagne, qui a traversé la Gaule, les Alpes, puis qui est arrivé en Italie, donc les Romains se sont sentis agressés, et les deux premiers, Hannibal a remporté coup sur coup 4 victoires, le Tessin, la Trébie, le lac Trasimène et Cannes. Le Tessin et la Trébie, bon, les Romains se sont dit, tiens, nos généraux étaient distraits, nos soldats fatigués. Le Trasimène, ça a commencé à provoquer un affolement assez sérieux à Rome, et la bataille de Cannes a eu des conséquences psychologiques qui ont été épouvantables à Rome. Certains Romains pensaient même quitter Rome et émigrer pour abandonner l'Italie et leur ville à Hannibal. Et c'est le Sénat qui, dans cette affaire, a eu une conduite admirable, et ce qui fait que ce régime déjà aristocratique a été encore plus aristocratique après. Le Sénat qui a dit non, nous ne
tolèreront pas de départ. Même le jeune Scipion a sorti son glaive en disant « si quelqu'un part, je le tue ». Et le Sénat a dit « les prisonniers de la bataille de Cannes, nous ne les rachèterons pas, tant pis pour eux. Quant aux vaincus qui ont réussi à s'échapper, il faudra qu'ils fassent preuve de leur courage et de leur dévouement avant de retourner en Italie. Ils sont chassés d'Italie, ils vont combattre sur des terrains extérieurs ». Ouais. Et Hannibal était un génie de la tactique. Ça, c'est un des grands capitaines de l'histoire. Un des grands capitaines de l'histoire antique. Analogue à César, à Napoléon Ier et à quelques autres. Ça, c'est incontestable. Mais les Romains ont quand même réussi à relever ce défi, à la fois en Espagne et puis ensuite en Afrique même, directement. En Sicile aussi, en Italie aussi. En Italie, oui. Et enfin en Afrique, Zama. Effectivement. D'abord parce qu'il y a eu le Fabius, qui était un conservateur. Ce Fabius donc, a eu l'idée qu'il ne fallait plus engager de bataille contre Hannibal, parce que toute bataille engagée contre Hannibal était perdue d'avance. Il était trop malin, il avait des astuces invraisemblables à chaque fois, et donc il fallait recourir à la guérilla. Mais ça, c'était contraire à l'éthique des Romains, qui ne pouvaient pas le supporter, donc il a fallu le faire sans le dire. Et il a même inventé une divinité à laquelle personne n'avait pensé auparavant, qui est Mens, M-E-N-S, avec une majuscule, c'est l'intelligence. Les Romains n'y avaient pas pensé. Et il leur a dit, bah, voyez, c'est Mens qui vous suggère de faire ceci, cela. Donc à partir de là, ils ont accepté et la guérilla et le recours au stratagème. Puis ils ont eu la chance d'avoir une série de généraux qui étaient extraordinaires, non seulement ce Fabius qui était malgré tout très bon, mais un certain Marcellus qui a conquis Syracuse sur les Grecs qui s'y étaient retranchés, et puis Scipion dont vous parliez à l'instant. Il y a un grand débat pour savoir si Scipion a été un élève d'Hannibal qui a dépassé le maître ou qui est resté l'égal du maître ou un génie à part. – En tout cas, c'est une victoire décisive qui ouvre aux Romains la maîtrise du bassin occidental de la Méditerranée. – Voilà, ils contrôlaient déjà l'Italie, et là, tout le bassin occidental de la Méditerranée passe sous leur contrôle, notamment avec depuis la Sicile, ils peuvent surveiller l'Afrique. À la fin de la Troisième Guerre punique, Carthage est détruite. Peu après, l'Afrique du Nord est transformée en province. Ils peuvent également s'engager en Espagne. En Espagne, et ils avaient commencé d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre punique, puisque Hannibal avait fondé sa puissance sur le sud de l'Espagne. Il y avait trouvé des soldats, de l'or et du blé. C'est tout ce qu'il faut pour faire la guerre. Donc les Romains, en envoyant occuper le sud de l'Espagne par leurs troupes, coupaient les sources d'approvisionnement d'Hannibal. Et alors, une fois ce bassin occidental de la Méditerranée sous contrôle, on passe du côté oriental. Les Romains, la puissance romaine, va s'étendre sur l'actuel Proche-Orient. Oui, mais il y a un problème. Oui. Et qui est que les Romains ont forgé une mentalité collective et un droit qui s'opposent à la guerre offensive. C'est ce que Cicéron décrit très bien, d'ailleurs, dans plusieurs passages, c'est ce qui s'appelle le droit des fessiaux, ius fessiale en latin. Les fessiaux sont des prêtres. Ces prêtres ont élaboré un droit de la guerre qui correspond à ce que l'on appelle de nos jours le ius ad bellum. Dans quelles conditions une guerre peut-elle être juste? Et alors, quand on l'écoute, quand on lit ces textes, on est quand même extrêmement étonné, parce que les fessiaux, on dit la guerre offensive est interdite. C'est pas possible, c'est contre le droit. Ensuite, il y a toute une série d'actes qui doivent préparer le déclenchement de la guerre. Donc d'abord, il faut que les Romains aient été attaqués, qu'ils aient subi un dommage. Il faut qu'ils envoient une ambassade, dire à l'ennemi, vous nous avez causé du dommage, vous devez le réparer. Si l'ennemi s'obstine à ce moment-là, ils peuvent déclarer la guerre, mais ils doivent le faire de manière très formelle. Il faut que ça soit bien dit très clairement. Et puis ensuite, il y a toute une série de rites qui sont célébrés à Rome
qui retarde le déclenchement de la guerre et ça laisse à l'ennemi le temps de réfléchir et de se dire « Ah oui, peut-être que j'ai tort d'attaquer les Romains. Ben, » Contrairement à leur réputation, les Romains étaient des pacifiques, alors, si je comprends bien. – Eh bien oui, il y a eu un article très, très amusant de Paul Venn qui s'appelait « Y a-t-il eu un impérialisme romain ?» Oui, oui. Ah, et c'est avec une beaucoup, bonne question. – un article très ancien, mais qui est très amusant, très bien fait, parce qu'évidemment, il y a eu un impérialisme. Mais Paul Venn a bien montré, je l'ai constaté très souvent, que les guerres romaines étaient toujours des guerres défensives. C'est un ennemi qui attaque, les Romains contre-attaquent, et ils sont les vainqueurs, et donc à ce moment-là, ils s'emparent du territoire du vaincu, ça c'est conforme au droit. – Alors il y a un adversaire après les Carthaginois auquel ils vont se trouver confrontés pour très longtemps, ce sont les Parthes en Orient, et des adversaires tout à fait redoutables. – Je préfère les appeler les Iraniens. – Les Iraniens, bon. – Parce que, je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple, effectivement les Romains les ont appelés les Parthes d'abord, les Perses ensuite. Auparavant, les Grecs les avaient appelés les Mèdes. – Mais en fait, Mèdes, Parthes ou Perses, ce sont des peuples, et à chaque fois c'est le peuple d'où est originaire la dynastie qui règne en Iran. Oui. Mais l'État, c'est l'Iran. D'accord. Je suis le Shah Inshah, roi des rois, roi des Iraniens, des Ariens, comme on disait dans sa langue, et des non-Ariens. Donc c'est l'Iran. Et alors effectivement, l'Iran est un adversaire qui est assez redoutable par certains côtés et qui ne l'est pas du tout par d'autres côtés. Redoutable parce que c'est le seul État équivalent à l'État romain en superficie, en démographie et en richesse. Mais qui ne l'est pas parce que pendant très longtemps, c'est un État qui est resté archaïque, on dit féodal dans beaucoup de livres, mais je n'aime pas tellement l'adjectif féodal appliqué à l'Iran parce que ça renvoie au XIIIe siècle. C'est un peu anachronique, mais effectivement c'est un système qui ressemble à celui qu'on a connu en Occident au XIIIe siècle. Quand le Shah Inshah, le roi des rois, veut faire la guerre, il faut qu'il demande à ses vassaux de lui fournir les contingents dont il a besoin. Et les vassaux, eh bien, font, suivant que le roi soit puissant ou pas, disent oui ou disent non, envoient des troupes ou ne les envoient pas. Et puis c'est une armée qui est finalement, n'est pas très organisée du point de vue militaire, qui n'est pas très efficace. Il y a une cavalerie lourde qui est la cavalerie des nobles. Alors le noble est entièrement cuirassé, le cheval aussi. Alors quand cette cavalerie lourde s'élance contre un ennemi quel qu'il soit, évidemment l'ennemi vole en éclats. Même la légion ne résiste pas. Là c'est pas comme contre la phalange macédonienne. La légion, la première ligne de la légion ne tient pas. C'est ce qu'on verra surtout à l'époque sassanide. Alors non, c'est différent. Troisième, quatrième siècle. Mais c'est justement avant l'époque sassanide. Oui. Seulement le problème est qu'une fois que la première ligne est détruite, la deuxième ligne contre-attaque, et les cavaliers lourds ont besoin de faire demi-tour et de reprendre de l'élan. Ouais. Et donc les soldats de la deuxième ligne les rattrapent, les font tomber par terre et les égorgent proprement. Le résultat est que cette cavalerie lourde qui est constituée par les nobles fait disparaître la noblesse, détruit une grande partie des élites sociales. Donc il a fallu y renoncer. Ça a été abandonné. Et alors à partir du début du IIIe siècle, les Iraniens ont eu une autre armée, qui est une armée beaucoup plus efficace, avec une infanterie permanente, une armée qui sait organiser un siège, prendre une ville d'assaut. Et alors, à mon avis, c'est l'hypothèse que j'avance, après avoir étudié des textes qui n'ont pas été étudiés jusqu'à présent. Je pense que ce sont des soldats romains qui ont formé les Iraniens. Parce qu'il y a eu une guerre civile entre Septime Sévère et Pessénius Niger, qui était gouverneur de Syrie. Pessénius Niger a été vaincu, et Septime Sévère a eu la cruauté de ne pas pardonner aux soldats de Pessénius Niger, qui après tout n'avaient fait qu'obéir à leur chef. Et un certain nombre de ces soldats sont partis vers l'Orient. On sait qu'il y en a qui se sont établis en Iran. Peut-être même y en a-t-il eu qui sont allés jusqu'en Chine. Alors ça, c'est une question à approfondir. –
Alors, il nous reste une minute. Cet empire romain donne une image de puissance tout à fait considérable, une puissance militaire notamment. En quelques mots, quelles sont les raisons de sa chute quand on arrive au 5e siècle ? Alors, les raisons de sa chute, elles sont multiples. Il n'y a pas une explication unique. Ouais, hein, d'abord, sûr, ouais. Les barbares sont devenus plus forts, les Iraniens se sont organisés à la romaine, mais aussi les Germains, les Francs et les Alamans. Francs, Alamans, Goths, Iraniens sont les grands ennemis. Et puis les Romains eux-mêmes ont perdu de leur efficacité, parce que l'armée a connu des défaites et l'État n'avait plus les moyens financiers de payer ses soldats. Ah, c'est ça, ouais. Eh bien, écoutez, merci Yann Le Boeck pour tous ces éclaircissements concernant les guerres menées par Rome. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Histoire des guerres romaines, aux éditions Talendier.